Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On va crash tester ensemble une marque que j'ai dont j'entends parler depuis longtemps, mais je ne savais pas du tout qui était la créatrice. RM Beauty, voilà. Et donc c'est la marque d'Ariana Grande. Je suis peut-être la dernière au courant que c'est la marque d'Ariana Grande. Mais en fait, j'avais vu sortir la marque, j'en avais entendu un peu parler et tout, mais bon, voilà, c'était pas ma priorité. Et quand j'ai dit, ah bah cool, je vais tester, c'est le moment, j'ai envie et tout, je me suis rendu compte que c'était la marque d'Ariana Grande. Bon, alors, shame on me, je ne savais pas. Voilà, nous avons des petits invités, je sais pas si vous allez voir. Robert, il a un copain, hein, Robert, par là, voilà. Bref, mais c'est pas plus mal parce qu'en fait, j'ai commandé dans le crash test son nouveau produit qui est le correcteur, je crois bien. Du coup, ça sera pas plus mal. J'ai commandé presque tout, enfin pas presque toute la gamme, mais pour faire presque une full face. J'ai pas pu commander de fond de teint parce qu'elle n'en a pas. Et je sais que j'ai pas pris de base à paupières, ça elle en avait une, mais j'en ai trop. Et déjà j'oublie tout le temps de m'en servir, alors voilà. Je n'ai pas pris de base pour le teint, ça je me souviens plus si elle en avait une ou pas. Et je n'ai pas pris de poudre de finition donc, et pas de bronzer. Du coup, je vais commencer par mettre ma base à paupières avec vous. Donc, je mets celle de chez Beauty Bay que j'aime bien. C'est un petit embout comme ça. Niveau couleur, teinte de ce que j'ai commandé, je suis sortie de ma zone de confort. Et j'ai commandé pas mal de trucs dans des tons que j'aurais pas forcément commandé d'habitude. Mais comme le concept de sa marque, c'est vraiment le côté un peu, comment dire, pas alien. Un peu, vous voyez, interstellar, comment ça s'appelle, je l'ai sur le bout de la... Star Trek, tout ça, tout ça. Voilà, j'ai voulu jouer dans ces tons-là. Donc j'ai commandé en premier une petite, enfin petite palette, oui, et si elle est petite. J'ai imprimé les prix parce que je le fais rarement, déjà j'oublie. J'ai eu plusieurs remarques de certaines d'entre vous qui m'ont demandé quand je faisais des trucs comme ça si je pouvais mettre les prix, donc déjà, voilà. Mais en plus, j'ai trouvé certains trucs assez chers. Si la qualité est vraiment vraiment au rendez-vous, c'est pas très cher. Enfin ça va, c'est correct, on va dire, c'est dans les prix de Rare Beauty, Fenty Beauty, tout ça. Si la qualité est pas au rendez-vous, je trouve ça cher. Donc en premier, donc la palette, c'est la numéro 2, qui s'appelle Go-Go Boots. Donc vous avez la petite boîte et la palette se présente comme ça. Alors c'est très joli, c'est du plastique, mais ça fait très, comment, Cali. Vous avez Rem Beauty écrit là. Non, comme ça, c'est Cali. C'est la teinte, donc c'est la numéro 2, la Go-Go Boots. En tout, vous avez 7,9 grammes de fard et je l'ai payé 30 €. Voilà. J'ai commandé directement sur leur site. Je ne sais plus où c'est vendu. Je crois que c'est vendu chez Nocibé, si je ne me trompe pas. Là, j'ai commandé directement sur leur site. C'est un petit peu long à arriver, mais ça ne m'a pas trop dérangé. Je crois que j'ai commandé il y a 2-3 semaines. Voilà la merveille. Donc vous voyez, j'en ai un des palettes où j'ai du mint comme ça, mais je trouvais l'harmonie très jolie parce que donc vous avez ces deux fards là qui pètent bien, mais ça c'est assez nude. On va faire des swatchs ensemble pour voir ce que ça donne quand même. Je vais vous faire les swatchs dans l'ordre. Donc en premier, on a un beige très joli. C'est très smooth, j'aime beaucoup la texture. Ah oui, c'est non, les textures sont très très belles. Franchement, vous mettez votre doigt dedans, c'est crémeux, ça n'a pas l'air trop poudreux, c'est pigmenté. Ça, c'est un beau lilas. Alors, ah oui, vous voyez, le mint, c'est un mat. Donc, ça me faisait un petit peu... Parce qu'en fait, c'est plus facile à faire, je pense que maintenant, vous le savez, les scintillants, les machins, que les mats. Et du coup, attendez. Je vais régler un truc sur l'appareil photo parce que c'est trop flou sinon. Je vous disais donc, les scintillants, c'est toujours plus facile à faire et à rendre beau, pigmenté, facile à travailler que les mats qui, des fois, ont tendance à faire un peu un effet plâtre. Et là, franchement, je trouve ça très, très, très joli. Du coup, ensuite, celui-là, ça m'a l'air d'être un duochrome. Trop beau, un peu cuivré, rouge-orangé, trop joli. Franchement, j'aime beaucoup. Et enfin, on a ce prune foncé qui est un très beau prune foncé. Il a un petit peu des... Il est un petit peu, comment dire... Il n'est pas mat mat. Il est un petit peu, pas duochrome, mais métallisé. Sans paillettes.
Et je trouve très très joli. Donc ça fait une jolie harmonie de couleurs. Vous avez le petit miroir. Derrière, vous avez le nom de la palette pour vous y retrouver. C'est pratique, ça s'emmène partout. Alors je vais faire un petit truc, somme toute assez simple avec, je pense. Là, je vais prendre celui-ci. Je prends ça avec un pinceau un peu fluffy anglais. Enfin, vous voyez, il n'est pas droit. Angle, oui, angle. Et je viens le mettre ici. C'est très très pigmenté. Ah oui, c'est très beau. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi pigmenté. Je vais me louper. C'est vrai que ça, enfin, j'aurais bien mis un beige mat. J'aurais bien vu un beige mat ou un marron mat, justement pour faire ce que je suis en train de faire en premier fard de transition. J'ai un peu de mal avec les fards de transition irisés, métallisés. Les gars, pas mat. Mais alors, c'est très joli. Voilà. De l'autre côté, j'en ai moins pris sur le pinceau, c'est mieux. Hein, ça se travaille bien. Écoutez, ça s'étale bien. C'est assez uniforme partout. Je vais rattraper de ce côté-là avec un pinceau boule. C'est très homogène, c'est-à-dire il n'y a pas à vous en poser et ça se met que à un endroit et tout. C'est très très homogène, c'est très beau, ça se travaille bien. Du coup, ça s'estompe bien aussi, voilà, au moins on le saura. Ah non, c'est très très réussi, enfin pour l'instant en tous les cas. Ensuite, donc je vais reprendre mon pinceau anglais, là je l'ai un peu essuyé sur un sopalin, et je vais venir mettre dans le creux de paupière, donc le fameux violet foncé. Je vais en prendre pas beaucoup pour éviter la même catastrophe. Et donc je vais juste venir creuser l'angle avec. C'est dommage parce qu'il est très beau, mais j'aimerais essayer d'utiliser tous les fards. Donc je le mets là où il me semble adéquat. Je vais venir. Alors vraiment, le rouge là me fait de l'œil. Je vais prendre un pinceau plat comme ça. Et je vais venir le mettre en coin externe. Alors, il est un petit peu moins pigmenté que ce que j'aurais pensé. C'est pas que je suis déçue. En fait, je le trouve beau maintenant que je le pose, mais c'est vrai que j'aurais pensé que limite c'était celui qui claquerait le plus, en fait, par rapport aux pannes. Et je me rends compte que non. Ça fait un joli truc, hein, mais c'est pas ouf, ouf. Je pensais là aller faire un truc un peu feu. Et en fait, non. Après, c'est très joli, hein, mais c'est pas ce à quoi je m'attendais quand on le voit comme ça. Je vais mettre le bleu, enfin le mint, là, sur du coup le premier tiers de ma paupière. Alors lui, par contre, à l'inverse, vous voyez, j'avais peur qu'il soit insipide. Et alors, j'y vais petit à petit, mais il claque bien, quoi. Après, ça fait un joli dégradé par contre, avec justement le fait qu'il soit pas trop pétard l'autre. Ça travaille bien, c'est vraiment joli. Je vais prendre un tout petit pinceau, le 230S de chez MAC. Et je vais prendre le violet là, que je vais mettre du coup en coin tout interne. Alors, je pense que ça mériterait par exemple celui-là, de l'humidifier un peu si on veut vraiment que ça pète. Du coup, je fais un espèce de point de lumière. Bon, évidemment, mint et violet comme ça se répond très bien. On est grave dans le thème de la marque, un peu, vous voyez, Interstellar, tout ça. J'ai décrété, moi, c'est Interstellar. Alors, ça répond certainement à l'univers d'Ariana Grande pour les fans hein, qui nous suivent, mais je n'y connais rien. Voilà, enfin, je sais qui c'est, je sais qu'elle chante, je connais certaines de ses chansons, machin, mais alors, c'est tout. J'ai envie de vous dire, je m'en contrefous. Alors, c'est pas vrai, parce que c'est même pas que je m'en fous, en fait, c'est que je ne la connais pas. Voilà, elle est toute mignonne, je sais qu'elle est toute petite, elle est toute mignonne, elle a un sourire angélique, tout ce que vous voulez, mais à part ça, je m'en contrebalance. Mais elle a fait une très belle marque, on est très content d'essayer aujourd'hui, donc, bah merci, Ariana Grande, mais ça n'ira pas plus loin. Je reprends un pinceau un peu estompeur et je vais venir mettre le premier fard, comme ça on aura utilisé tout le monde. En point de lumière sous le sourcil. Voilà, galactique, c'est ça le mot que je cherche depuis tout à l'heure. Si je ne l'ai pas encore dit, c'était celui-là. Galactique, interstellaire, tout ça, voilà, c'est tout à fait sous l'univers de la marque. Ensuite, j'ai un mascara. Oui, c'est ça. On en est là. C'est un mascara volume. Je crois qu'il y en avait un longueur. C'est toujours le même type de packaging en plastique. Mais alors, il est hyper joli. La forme est hyper recherchée. C'est pas waterproof. Vous avez 6 millilitres. La brosse, c'est une brosse avec trois. C'est des poils, oui. Et vous avez genre trois boules comme ça. Ça a l'air pas mal. Et donc, ça coûtait 19 euros. Non, ça allait.
C'est les trucs d'après qui m'ont paru cher. Alors moi, les mascaras, vous savez que je suis toujours en quête du Graal depuis que le Velvet Noir a disparu. Je suis le plus proche pour l'instant du Graal, pour moi, c'est le celui de chez Rare Beauty, là, que j'adore. Enfin, je suis à mon troisième tube. Bon, ça sera pas celui-là, du tout de suite. Je le réessayerai, parce que quelquefois, les mascaras, une semaine après, ils s'épaississent un petit peu. Mais alors, je trouve qu'il n'a pas du tout d'effet volume, en fait. Enfin, qu'il n'a pas d'effet du tout. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Non, franchement, le mascara, je vous disais 19€, oui, mais là, non. C'était oui si c'était bien, quoi. Bah, pour moi, en fait, enfin, après, il est pas mauvais, mais si ça, c'est volume, j'aimerais bien voir ce que fait le longueur. Parce que pour moi, là, c'est pas ouf, quoi. Enfin, pour moi, un mascara volume, voilà, ça fait un truc vraiment... Là, oui, ça les a un peu étoffés, mais c'est pas ouf, quoi. C'est joli, c'est pas moche, mais c'est pas... Par exemple, les jours où je mets que du mascara, où je me maquille pas, où je veux un truc simple, bah, c'est typiquement ce que je vais prendre. Mais pour le finir, je le rachèterai pas. Je vous le dis tout de suite. Si vraiment... et pareil pour tous les produits, je vais tous les réessayer d'ici à publier la vidéo. Si vraiment il y a quelque chose qui change de mon avis, voilà, bon, la palette, généralement, les ombres à paupières, ça bouge pas trop, mais plutôt les textures crème ou les trucs comme ça et tout, ou que ça tient pas, ou que vraiment c'est nul, je vous le mets tout dans la barre d'infos. Si je vous rajoute rien, bah c'est que mon avis n'a pas changé par rapport au crash test, à ma première impression. Je vais mettre avec vous, mais vite fait, ma base teint et mon fond de teint. Voilà. Donc la base, je prends la Revlon, la Super Stay, la Photo Ready. Mais c'est pas Super Stay, non, c'est Photo Ready. Elle m'a sauté dessus. C'est une des meilleures. Un petit peu sur Bernard, hein, faudrait pas l'oublier. Et je vais mettre mon fond de teint, donc là, le Fenty Ease Drop, là, vous savez. Et alors, je lui mets un truc hyper léger au doigt. Franchement, je me prends pas la tête. Voilà, je mets ça, et encore, je suis même pas sûre de tout mettre. Et je le mets au doigt. Alors, je vais faire un truc léger. Je sais que son correcteur, enfin, de ce que j'en ai vu, son correcteur est très, très couvrant. Donc, du coup, c'est bien de mettre un fond de teint léger, comme ça, on va vraiment voir. Alors, je vais juste faire mes sourcils avant de faire le correcteur. Je vais pas vous mentir, c'est ce produit-là qui m'a rappelé au bon souvenir de la marque, ou qui a rappelé la marque à mon bon souvenir, enfin, bref. Donc c'est un gel pour les sourcils, c'est rare, hein, parce que moi, vous savez que les produits sourcils, c'est pas trop ma tasse de thé. Mais il a un embout, un packaging qui m'a... waouh. Voilà, donc du coup, j'ai voulu le tester. Donc c'est la teinte Clear, et alors, vous allez voir, qu'il a un petit embout, d'un côté c'est mousse, comme ça, et de l'autre côté, vous peignez. Et je me suis dit, mais c'est hyper, hyper ingénieux comme truc. Du coup, je l'ai commandé. Voilà, vous savez tout. Je suis très blanche dans le retour écran. Pour moi, je vous dis, hein, les gels à sourcils, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Enfin, les produits sourcils en général, mais celui-là... À ce qui paraît très bien, donc effectivement, bah oui, il se travaille très bien. Ouais, j'aime bien. Bon, ce truc, c'est pratique d'avoir tout ensemble. Moi, ouais, j'aime bien. Puis il n'y a pas trop de gel justement sur la brosse, donc ça permet de la garder vraiment. Une fois que vous en avez mis la première fois, elle s'enlève, mais vous pouvez en rajouter un petit peu avec le petit embout mousse. Non, ça c'est très ingénieux, très pratique, le packaging très bien. Ça, je valide, et alors ça, je l'ai payé 25. Bah, vous voyez, j'ai trouvé ça cher, même si je valide. Hein. On va pouvoir passer à, c'est pas la star, mais presque, en tous les cas, c'est la star du moment dans la marque, le correcteur. Alors, lui, par contre, j'ai trouvé ça très cher, 30€. Après, c'est gros, c'est un gros pot. J'espère que je me suis pas loupée sur la teinte. Donc, c'est vendu comme ça en petit pot, vous avez une petite spatule. Bon, par contre, vous n'avez rien pour la ranger. Je vais la perdre, je pense. De ce que j'ai... Donc, c'est un concealer. C'est infusé à l'essence hydratante lissante de chez Rem. Cette formule crémeuse dissimule les imperfections pour un teint parfait. Donc, non, c'est aussi un correcteur. Vous avez toutes les teintes, c'est-à-dire vous avez effectivement une gamme de teintes. J'ai trouvé ça très ingénieux, la façon dont elle l'a fait. Vous avez une gamme de teintes qui est quand même assez grande. Je crois que vous avez 20 teintes, un truc comme ça, avec du neutre et tout. Donc c'est un petit peu compliqué, par contre, pour trouver votre teinte. Mais on ne peut pas tout avoir. C'est-à-dire que, généralement, soit c'est très facile de trouver votre teinte, mais en fait, puisque vous avez de la chance qu'il n'y a pas beaucoup de teintes et que voilà. Soit c'est un peu compliqué parce que, justement, il y a vraiment toutes les teintes, tous les sous-tons, etc. Et en plus, pour ceux à qui ça ne conviendrait pas ce qu'elle a fait comme teinte, elle a fait quelque chose de génial. Elle a
un correcteur qui est noir, vraiment noir, un correcteur qui est blanc, et vous pouvez en fait rajouter un petit peu, enfin, genre prendre la teinte la plus proche de vous, et du coup la foncer ou l'éclaircir ou vraiment jouer avec la teinte si vous avez besoin. Et j'ai trouvé ça très ingénieux. Donc ça se présente comme ça, je mets tous mes espoirs dedans. C'est assez épais, vous voyez la matière. De ce que j'ai vu dans les vidéos de présentation sur Instagram, il le chauffe bien d'abord. Ah oui, parce que c'est très 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 épais. Et en fait, je pense que pour moi, je pense que la teinte c'est pas la mieux, mais je pense qu'il faut vraiment l'étaler à l'éponge. Je vais déjà faire le contour de l'œil. Vous voyez, c'est très épais, très couvrant. Ça se travaille bien. La teinte, moi aussi, ça va. Ça aurait pu être pire, mais après c'est beau, ça lisse bien, oui. Je vais essayer plutôt au doigt de l'autre côté en fait. Je me dis que de chauffer la matière, vous voyez quand vous l'utilisez au doigt c'est très beau, ça se fond beaucoup mieux. En fait j'ai vu, bon là je l'ai pas fait parce que je voulais mettre mon fond de teint machin et tout, mais vous pouvez utiliser que ça en fait vraiment sur les zones où vous en avez besoin, genre les ailes du nez et tout ça. Par contre je pense que c'est un produit qu'il faut apprendre à utiliser, il faut le dompter, ça sera pas forcément pour les débutants. Parce que vous risquez de vous louper, vous voyez, de faire des traces comme je viens de faire par exemple. Ouais, j'ai peur par contre qu'il bouge un peu. Qu'il aille dans les plis, qu'il marque les pores et tout ça quoi. Même en le chauffant bien au doigt. Je suis mitigée entre, c'est un très bon produit mais un peu semi-pro. En couvrance, etc. Genre même sur les podiums, tout ça. Maquillage de cinéma, vous voyez. Ou, bah c'est tellement épais que c'est pas ouf. Je suis partagée entre les deux et je pense que vous aurez la réponse dans la barre d'infos. Est-ce qu'il va criser dans les plis? Parce que là, il marque un petit peu mes ridules. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression qu'il s'est bien figé, quoi. Là, pour l'instant, je suis mitigée. Et du coup, si vraiment il bouge, 30 euros, c'est une fortune, même s'il y en a beaucoup. Parce que bah, vous n'allez pas pouvoir en faire grand-chose. Après, le packaging est choupi, hein. C'est mignon. Je suis très, très mitigée. C'est un peu comme le mascara, quoi. C'est... On va voir dans le temps, faut... Je pense que c'est un produit qu'il faut dompter et tout ça. Je vais passer au blush puisque c'est un blush crème. Donc c'est les sticks à joues et lèvres. Il s'appelle Eclipse. Enfin la... Je crois que produit Eclipse. Description, stick à joues et lèvres, teinte, audition. Donc du coup c'est des petits sticks qui se présentent comme ça. Alors ça j'ai trouvé ça trop mignon. Ça me fait un peu penser à ceux de chez... Milk. C'est pratique parce que vous voyez tout de suite bah, à qui vous avez affaire. Hein. Pareil, je vais le mettre... ah oui, c'est pigmenté, hein, au doigt. Je pense que c'est le genre de produit que vous pouvez aussi mettre au pinceau. On va essayer peut-être. Au doigt, c'est pas mal. Hein. C'est joli, c'est pigmenté, mais en même temps pas trop. Pas un pinceau blush parce que du coup, ça ne tombera pas. Je vais prendre celui que je, du coup, j'ai pas utilisé. C'est pareil, je préfère peut-être au doigt. Mais après... J'aime bien les deux côtés. Écoutez, c'est... Alors, j'aime bien parce que c'est pas trop... Souvent, les blushs comme ça, c'est un peu diaphane, vous voyez, un peu en transparence, machin et tout. Que là, bah, j'aime bien parce que non, c'est pigmenté, c'est présent. C'est pas non plus complètement inutilisable dans le sens où ça serait trop pigmenté. Mais d'un autre côté, par exemple... Souvent aussi, pareil, donc les petits produits comme ça sont diaphanes et donc ils sont vendus pour les joues et les lèvres. Et du coup, sur les lèvres, c'est pas ouf. On va essayer. Lui, oui. Alors, la couleur, pas forcément. Enfin, moi, c'est pas ce que j'aime comme couleur pour les lèvres. Pour les joues, je trouve ça très joli. Ouais, sur les lèvres, oui, c'est sympa. C'est un peu semi-mat. C'est bien pigmenté. Si je l'avais acheté en teinte, puisque moi, je l'ai vraiment acheté pour les joues... Si je l'avais acheté en teinte un peu soit rose, soit berry, machin, j'aurais beaucoup aimé. Je vais poudrer avec ma poudre Charlotte Tilbury. C'est tout, hein? Oui, oui. Et après, on va passer à l'highlighter. Highlighter, alors j'ai choisi. C'est le Interstellar. Bah oui, je suis dedans. Le nom du produit, c'est Interstellar. Donc c'est un highlighter topper. Et j'ai pris la teinte Mama Earth. Quand je vous dis que je suis sortie de ma zone de confort. Alors ça, pour le coup, j'ai trouvé ça pas cher. C'est à n'y rien comprendre. Ça m'a coûté 16 euros pour... Combien il y a de grammes dedans? 8 grammes, c'est énorme. Je ne sais jamais. Je pense que je vais le léguer à mes arrière-arrière-petits-enfants, vu la couleur qu'on ne va pas mettre tous les jours. Alors, le packaging très beau, ça rappelle la palette. Toujours plastique, mais bien fait. Miroir. Et alors,
On est sur du vermint, hein, d'où le nom Mama Earth. Je vais vous faire un petit swatch. Là, on voit que c'est travaillé quand vous avez des marques comme ça ou les fards, c'est rien. Hein. Mais oui, je sais que c'est plus cher à produire et tout. Vous avez des incrustations, des choses comme ça dans les pannes. Regardez-moi cette petite merveille. C'est très joli, c'est subtil. Alors j'avais peur que ce soit un peu trop vert. Il y a un petit peu d'espoir que comme c'est vraiment topper, ouais, vous voyez, c'est bon, c'est vert, hein, on est d'accord. Mais vous voyez, fondu, c'est pas mal. Hein. Sur l'arête du nez. Et alors, extrêmement important, l'arc de Cupidon. Ouais, ça se fond bien. Non, mais c'est très joli. Hein. Ça s'applique bien. Ça s'estompe bien. C'est pas trop marqué. Enfin, c'est marqué ce qu'il faut, en fait. C'est très beau. C'est très fin. C'est ça que j'aime. C'est que c'est très, très fin. Je suis sortie de ma zone de confort, mais pas trop non plus. Bon, déjà, moins que ce que je pensais, niveau teinte. Et surtout, je vais pouvoir, bien sûr, le réutiliser sur les yeux. J'ai très envie d'en mettre sur les yeux. Ouah, je vais reprendre le pinceau plat là que j'avais dessus, ça doit être Sigma, c'est un E55 qui a 10 ans. Et j'ai très envie de mettre ça en topper justement sur le mint là. Ah c'est beau. Ah oui tiens d'ailleurs j'ai pas fait mon... C'est bien, ça m'y fait penser, j'ai pas fait mon ratil inférieur. Je crois que c'est mon coup de cœur de ce crash test highlighter. Il reste un produit, c'est pour les lèvres. Alors pour les lèvres, elle a quand même pas mal de trucs, j'ai hésité. J'ai failli prendre un rouge à lèvres normal, un rouge à lèvres mat et ce que j'ai pris. Après je me suis dit non c'est bon, je vais prendre qu'un produit, j'en ai déjà trop. Et en fait j'ai pris un produit que j'achète pas souvent dans les autres marques et qui pourtant me tente parce que quand on aime bien le mat, c'est des produits pratiques. Et alors c'est surtout qu'en fait c'est des produits où c'est génial, où c'est de la grosse merde. De la grosse daube, pardon, YouTube. Ou ils sont très bien formulés et ça fonctionne très bien et c'est génial et ça fait ce qu'on lui demande. Ou alors, ça fait des trous, c'est dégueulasse et c'est moche. Donc, le nom du produit, c'est Praticali Permanente. Attention, moi si tu me dis qu'il est pratiquement permanent et qu'en plus c'est son nom, j'ai envie de te dire, voilà. C'est un lip stain marqueur, donc une encre à lèvres en marqueur. Et donc j'ai pris la teinte Miss Berry. Une couleur longue tenue qui ne migre pas quelles que soient les circonstances. Alors moi tu me dis ça, t'as intérêt à savoir de quoi tu parles. Ça se présente comme ça, donc un stylo fin avec une pointe, vous voyez, un petit peu style marqueur d'école quoi. Et alors j'adore ce genre de produit, mais souvent quand c'est sorti au début, c'était nul. Parce que ça faisait des trous, des machins, des trucs. Ça séchait très vite. On va voir. Alors là, réellement, j'ai l'impression de m'appliquer du marqueur. C'est bien parce que c'est précis. C'est pas mal parce que d'habitude, les autres, vous faites ça, ça fait des trous. Là, ça va. Par contre, revers de la médaille, mais moi, ça me dérange pas. Mais il faut prendre le temps de l'appliquer et de le travailler. Moi, après, si c'est pour que ça tienne toute la journée... en mangeant, buvant, tout ce que vous voulez, ça me dérange pas de devoir prendre du temps. Après, vous voyez, là, moi, je vois qu'il y a une espèce de démarcation. Je ne le sens absolument plus sur les lèvres. C'est comme si j'avais rien. Donc ça, j'aime. Voilà, c'est tout pour ce crash test. Écoutez, dans l'ensemble, je suis contente. Je trouve que c'est une jolie marque. Je suis un peu dubitative du mascara et j'attends de voir le concealer. Voilà, je suis pas très pour l'instant, bon, voilà. Mais alors, énorme coup de cœur pour l'highlighter, vraiment, franchement. Mais pas que la couleur, hein, même la texture, c'est vraiment un effet de topper, vous voyez, il n'y a pas de matière, il n'y a pas d'effet de matière et tout. J'aime énormément. J'aime beaucoup bon, bah, l'encre à lèvres, là, franchement, plus je la porte, plus j'aime. Le reste, bah, le gel à sourcils et la palette, oui, il y avait que ça. Ah, et le petit stick à joues. Oui, j'aime beaucoup. Voilà, c'est pas les énormes coups de cœur parce que c'est pas une révolution, je trouve. Mais ils sont très... c'est des beaux produits. Non, j'aime bien, je suis contente. Dites-moi si vous avez testé des produits de la marque et si jamais il y a des produits du coup que j'ai pas testé, que j'ai pas commandé, qui sont absolument à connaître, n'hésitez pas à me le dire. Parce que je pense que je vais suivre la montée de la marque. Et du coup, si je refais une autre commande, un autre crash test avec une autre de leur collection ou quoi, bah au moins... je prendrai le produit que
le ou les produits que vous me direz qui valent le coup dans ma commande. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous fais plein d'énormes gros bisous. Bye bye.